Donc, circuit. Ou bien directement, donc les diodes. Voilà. Donc, voilà un chauffe-eau, notion et caractéristique. Donc, notion et quelques caractéristiques. Dialectique. Voilà. Donc, normalement, la diode à jonction, donc, fait la, juste, la superposition de deux régions. Donc, une région P, ou une région donc N. Donc, un de deux pôles, un instant du pôle, donc, un pôle anode, on a la cathode. Donc, voilà. Donc, on a dopé P, on a dopé N. On a dit ma kihimch d'abord pour le moment. Voilà pour IC2. Donc, ils sont symbolisés par donc, le symbole. Donc, on dirait le symbole. Voilà. Donc, c'est l'anode. Voilà, c'est la cathode. OK? Voilà. Donc, ici, la circulation de le courant I. Voilà la tension au bord de la diode. Donc, on a la relation. Et qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que Voilà. Donc, on a la relation entre la tension et le courant électrique. C'est que I, l'idée sous la diode, c'est IS exponentielle. Donc, V sur V moins 1. Avec le courant, on voit le courant de saturation. Qu'est-ce que le courant saturé? Il y a une diode qui compte, donc le courant de saturation. Voilà. Ou hada si had V, normalement, c'est la tension thermodynamique hein, de la relation à la température, si K fois T, sur la charge Q. Ou had K, il y a la constante de Boltzmann. Donc, had Shima qui est là-bas, donc la température qui est élevée, ou hada la charge élémentaire. Donc, charge élémentaire. Ou hada constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. On va dire la température en Kelvin. Voilà. Donc, pour maintenant le principe fonctionnement de la diode. Donc, maintenant, il faut le principe fonctionnement de la diode. Donc, quand on les caractéristiques de la tension ou bien le courant fonction de I. On a les caractéristiques tension-courant. Voilà. Par exemple, comme ça, quand on dit donc la tangence, je fais la tension de seuil. Donc, quand on se met au V gamma, ou la V alpha, ou la V, V de seuil. Donc, voilà pour donc faire le cas. Donc, faites le cas. On a deux régions. Ok, on a la région. Ok, on a la région. Donc, faites la région. Je me suis trafé. Il y a un H. Il y a un V à de la tension. Il est supérieur à V VS. VS. Ok? Donc, faites le cas. Le courant n'est pas nul. Il est différent de zéro. Il y a un le courant qui est 2 sur la diode. Donc, la diode, il y a un moindre. Donc, I n'est pas. Donc, le courant traverse la diode et non nul. D'accord? Il est différent de zéro. Non nul. Il est différent de zéro. Donc, par conséquent, quand Goulou a la diode, elle est conductrice. Elle est moins celle là. Donc, ici, donc, la diode
diode I conductrice. I conductrice. Et le courant, bien sûr, il n'est pas nul, donc n'est pas bloqué. Donc là, la diode, elle est conductrice. Pour, donc ici, V inférieur à Vs, donc, le courant est presque nul. Vous voyez ici, donc le courant presque nul. Donc, la diode, dans ce cas-là, se comporte comme quoi? Comme un circuit ouvert. Donc, faites le cas, donc ici. Donc, la diode se comporte comme un circuit ouvert. Voilà. On a là, se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, ici, donc ici, le courant presque approximativement égal à zéro. Donc, la diode, l'interrupteur ouvert, se comporte comme un circuit ouvert. Donc, dans le cas, la diode elle est bloquée, puisque le courant est presque approximativement égal à zéro. Donc, la diode est bloquée. Voilà. Donc là, la diode passante, conductrice, si la diode bloquée, le courant approximativement, il est nul. Donc, bien sûr, bien évidemment, il y a de la tension, ce qui m'a dit là, c'est la tension de seuil. Une fois qu'elle fout qu'on diode conductrice, donc tension de seuil. Allez, le seuil, les qu'est-ce la diode, donc parce qu'on conductrice. Donc voilà. Donc maintenant, on chauffe. Voilà. On a les caractéristiques. Donc d'abord, on chauffe la modélisation de la diode. Modélisation. De la diode. Modélisation de la diode. Donc, d'après Mendelichna, donc les caractéristiques courant tension. Donc, bien sûr, les caractéristiques, la diode n'est pas linéaire. Elle me dit que je suis machine linéaire comme ça. Non. Donc, la diode n'est pas linéaire, non linéaire. C'est comme ça. Donc, Hassan dit la linéarisation de la diode. Et là, je vais donc les théorèmes généraux, les Schnam, Hellman, superposition, Thévenin, donc ils pourraient faire les systèmes, bien, les théorèmes qui pourraient faire les systèmes les humains linéaires. C'est-à-dire la droite de la ronde qui a deux semaines. Comme ça. C'est pour ça, je nous rendirons la linéarisation, les caractéristiques, les humains linéarisés. C'est ici, la caractéristique réelle. Yani, c'est la courbe, on a les caractéristiques réelles. Caractéristiques réelles. Voilà, qu'il y a, je nous rendirons la caractéristique linéaire, yani H. يعني غندير بحال قلتي ابروكسيماتيفمون هاد لا دروات غدوز من هنا غنديروا نقاط متقطعه يعني ماشي غيل وغنديروا لا طونجونت يعني لا طونجونت لهذا ماس لهذا غيهبط سيت سيت تقاطع مع هاد لاكس دي زابسيس دونك هادو هما لي كاركتيرستيك لينيير vous voyez là donc هنا لينيير خطي دونك هادي كتسمى كاركتيرستيك لينيار كاركتيرستيك لينياريزي فوالا لينياريزي فوالا دونك هاد لا كونت سي نورمالمون 1 سور ار دونك هنايا كاين في غاما bien V, la tension de seuil, S, S, on a V, il est supérieur à Vs, on a V inférieur à Vs. Voilà. Donc,
كما قلنا الا كانت في inférieur à V de seuil, je nous connais à la tension, non, le courant égal à 0. Yani, H, le courant égal à 0. Yani, bhad la indi wahd la résistance, yani wahd la résistance, katmchi l'infini, ma katkhlich le courant I2. Yani, le courant ici égal à 0. Yani, bhad la indi wahd la résistance infini. Yani, H, intérieur tour ouvert. Yani, bhad la indi H, bhad la indi wahd la résistance infini. ملي كتكون عندنا ريزيستونس انفيني يعني كنهضروا على يعني كنهضروا على الانتيريبتور اوفر القاطع انتيريبتور دونك انتيريبتور اوفر فوالا دونك هنا راه الديود كما قلنا الي بلوكي الديود بلوكي دونك سينو في الدوزيام كا يعني في الحاله الثانيه الا كان مازال كيتسمع ياك Voilà, il a quand V supérieur à Vs, il y a un effet de la zone. Donc, fait le cas. Donc, fait le cas, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il y a une diode passante. Justement, on a la tension, je vais savoir. Il s'agit de Vc plus la résistance Re. Il y a une H, la diode, moi, je suis bloqué. Il y a une H, on remplace la diode par un circuit équivalent. Donc, on a la résistance interne. C'est la résistance interne. Donc, on a la tension du seuil. On a Vs ou la V gamma. Plus la résistance fois le courant électrique I. On a la tension au bord de la diode. Les voies. Donc, on a un cathode, on a un anode. On a le courant électrique qui circule la diode. Très bien. Donc, V, H, Raisawi. Donc, Raisawi. Donc, Raisawi, il a moins plus. Had Vs plus had R fois I. Voilà. Donc, V est égal à V de seuil plus R fois la résistance à I. Donc, très bien. Très important, Hadi. Donc, Hadi également inférieur à Vs. Donc, bloqué. Si il est supérieur, donc la tension V est égale à Vs plus Re. Très important, on a les points, on a la base. On a la base, on va changer de mot par la suite. Voilà. Donc maintenant, on a écrit des exemples. Par exemple, maintenant, diode, Adam Arofin, oscillation. C'est un interfer solution, une diode ou germanium. Germanium. Le GE. Germanium. Non, ici, élément ici, non, GE. Voilà. Donc, vous avez le vide seuil de la diode. Donc, on voit 0,6, tel 0,7. On a le vide seuil de la ديال جيرمانيوم ديود هذا عنده واحد في سي معروفه ديما 0.3 فولت هادو معروفين هادو يعني السيليسيون فاك تسمع في ديود سيليسيون تصنع في سيليسيون دونك في سي ديالو سي 0.6 والديود ديال جيرمانيوم في سي ديالو هو 0.3 ولا ريزيستونس ديناميك بار ديفينيسيون هي اش دونك لا ريزيستونس ديناميك هي دي دو في سور D de I, bah la loi d'Ohm, R fois I égale la tension. Donc, bien sûr, on a qu'un seul arrêt seulement parce qu'on a un V, la tension supérieure à V, à V de C. Il y a un flou cas, V supérieure à V de C, donc on a V égale à V de C plus R fois I. Donc, on a R, ça veut dire D de V sur D de I. D'accord? Très bien. Donc, l'ordre de là, approximativement, c'est ça, oui, à 10 ohm, donc l'ordre de grandeur. Voilà. Donc, maintenant, on va chauffer point de fonctionnement. Il y a des questions qui sont à
يعني point de fonctionnement ديال de fonctionnement ديال la diode. Donc, هنايا كنتراسيو ديجا I en fonction de V. Par exemple, on a un schéma comme ça. On a la résistance R. On a par exemple la diode D. Donc, on a la tension V. Donc, la diode D, ça c'est la résistance R. Ça c'est le courant I. Ça, par exemple, force électromotrice E. Donc, هنايا, شنو غندير؟ وادي مايل، par exemple. Donc, كيما قلنا ديجا I en fonction de V, ملي كنتراسيوه ني با لينيا. Donc, هنايا بالنسبة للديود، donc ني با لينيا. ماشي بحال la résistance مثلا، la résistance I en fonction de I، كنلقاو la droite comme ça، لوا دوم. U est égal à R fois I. Donc, on a fait des composants linéaires. La quinte de diode non linéaire. C'est la diode machine linéaire. Donc, je vais vous dire, je vais vous tracer la loi d'Email, par exemple. Donc, on dit E par le sens moins RI. Moins V égale à 0. Donc, je vais dire, je vais tracer le point de fonctionnement, je vais le point de fonctionnement, il y a une octa, je vais dire, la diode fonction. Donc, je vais tracer I en fonction de V. Voilà, je vais tracer H, I en fonction de V. Donc, je vais dire, l'expression de I. Donc, je vais dire, donc, égal, donc, ce qui implique, donc, RI plus V égale à E. Donc, RI égale à O moins V. Donc, I égale à E moins V sur R. Voilà l'expression d'ILH, d'ILI en fonction, I en fonction de V. Donc, d'abord, je nous rends dire, un tracé. Donc, on dit, c'est une droite. Donc, les 4 ça oui, O sur R moins 1 sur R fois V. Donc, Fnadark, a de la pente d'ILH de la droite. Wesh linéaire, wesh négatif ou la positif? Position. Je fais bien. I en fonction de V. Je fais la pointe. Je fais la pointe. Je fais la pointe. Je fais la pointe. Ah, naqis wahda la R, négatif. Voilà, naqis wahda la R. Et je vais dire, sous forme Y égale à AX plus B. Avec A, c'est moins 1 sur R. Ou B, il y a E sur R. Ou X, il y a V. Y, il y a I. Donc, il est négatif. La pointe, il est négatif. Donc, la droite, tu vas comme ça, ou la voilà. Tu là. Je vais te faire le cas, ou la tu vas voilà. Voilà, tu as la pointe négatif. Très bien. Voilà. Donc, ça fait un scénario. Donc, toujours gagner le point de fonctionnement via la diode. Donc, toujours point de fonctionnement de la diode. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la relation I égale E sur R moins 1 sur R fois V. Donc, il y a en fonction de V. Voilà. Donc, je vais remplacer donc I en fonction de V. Marofa, I en fonction de V. Donc, déjà, la machine linéaire, voilà. Donc, on a un tracé ou la pointe, la tangente. Ça atteint le point, il y a vite seuil. Donc, vite seuil. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Pour, par exemple, pour V égale à 0, je vais ça oui, I. Yalla, je non. E sur R. Voilà, E sur R. Très bien. Donc, fin qu'il y a I, il y a I. Donc, il y a V égale à 0. Donc, on a... donc je vais ça oui. Ok, ça oui, I. Donc, ça oui, E sur R. Très bien.
دونك هذه هي البوان الاولى دونك هذه البوان الاولى دابا غنشوف فور دونك دابا بور اي ايغال ا زيرو شحال غتساوي شحال غيساوي في شحال غيساوي في pour i égal à 0, je t'arrête à v. Bzirba, en fait, bzirba. Ah, il y a l'équation. Pour i égal à 0, je t'arrête à v. Je redis que l'équation 4-0, on fera jouer mon avis. Je t'arrête à v. Ah, il y a l'arrêté. Il y a quand même ce stylo de work. Ah, non, on fera jouer. Bzirba. On fait de ma radar, on fait de ma stylo de work. Et ça, voilà. تساوي E دونك V تيقال E هاي غنقلب على الفالور دو E هي هادي باغ إكزومبل هي هادي E دونك صافي بويسك لا بونتي لي نيجاتيف دونك لا دغوات غدوز هنايا غدوز كوم سا هادي هي لا دغوات دونك لا دغوات لي كنقلب عليها وهادي هي لو بوان دو فونكسيونمون هادي هي M donc point c'est ma point de fonctionnement de la diode يعني اشنو عندها عندها واحد vf ou bien vm وعندها واحد im donc les coordonnées ديالها im vm يعني x égal à vm كنديرو projection و y هي im donc هادي im وهادي vm هي le point de fonctionnement donc le point asmia m lambda vm im ih il y a le point de fonctionnement de la diode point de fonctionnement de quoi de la diode voilà donc à la droite bien sûr katima droite de charge donc à la droite de charge ou hado bien sûr qui magnagwila c'est la caractéristique réelle très bien donc voilà donc maintenant les coordonnées yani باش نلقاو دوك les coordonnées يعني هاد لي كوردوني جي ام في لاكورب راه لقيناهم دابا غنلقاهم يعني ماتيماتيكمون دونك اشنو عندنا جي ام اش غتساوي غتساوي او موان ار لو بوان ام حيتاش ديجا شنو عندنا لا دغوات عندنا لا دغوات دونك او موان ار اي موان في ايكالا زيرو يعني V كتساوي E موان R I هذه هي ليكواسيون اللي عندنا في لا مايل دونك دابخي لا مايل دونك هذه هي ليكواسيون اللي عندنا ولكن هاد لو بوان M هذه هي لا دغوات دونك هاد لو بوان M ابارتونون لهاد لا دغوات غنسميها باغ اكزومبل دغوات دلتا يعني اش كتحقق يعني هاد لو بوان M كتحقق هاد لي هاد المعادلة هادي دونك داكشي علاش درت V M I M داكشي ديال التاسعة الكاتريام الكاتريام يعني الضغوات دي اللي عندها باغ اكزومبل ايكغيك تيكالا اكس بلس بي ولا سميناهم ام بلس بي هذا لو كوافيسيون فاكتور دو ديريكتور وهذا لوريجين كنلقاو هاد ام الى اخره دونك باغي دونك في ام اللي كتساوي بيان سور V gamma plus R fois IM. Donc ça fait IM, ça oui. Donc c'est E moins V gamma sur R plus petit r. Ou VM, grâce à oui, donc ER plus, plus V gamma fois R sur R plus petit r.
هادو هما لي كوردوني ديال في ام، دونك في ام او اي ام.